Salut à tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur GTA 5 Online. Et tout simplement les gars, aujourd'hui je me suis posé une question. Je me suis dit comment commencer GTA 5 quand t'as 0$. Et je vous ai posé la question sur un post YouTube. Vous m'avez dit, bon, on va faire ça, faire ça. Et on a plus ou moins à peu près les mêmes idées, on a plus ou moins fait les mêmes choses. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous êtes débutant et vous commencez GTA et vous avez 0$, voilà, je vais vous montrer comment vous faire des sous. Tout simplement, comment commencer, comment bien débuter sur GTA 5, la salle. Est-ce que t'es avec nous, est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Bonsoir, là, déjà la salle, bonsoir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous kiffez cette vidéo. À vous abonner, c'est pas déjà fait. Activez la cloche, la petite cloche, hop, on l'active. À me suivre sur mon Instagram. Et puis voilà, moi je vous dis, la salle, est-ce que t'es ready to go? Ouais, je suis prêt. Eh ben écoute, t'as oublié de dire. Ouais, dis-moi. Bah, sucer des glaces, manger voilà, des yaourts. Tout ce que vous voulez, c'est le matin, déjeuner. Je prends la caméra, boum, je la mets ici. Là, vous voyez ma tête en petit. Alors, la salle. Ouais. Première chose que j'ai vue, première chose qu'on fait, c'est tuer un PNJ. Est-ce que tuer un PNJ, ça rapporte vraiment des sous? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hop. Voilà, déjà, lui cherche un peu trop la merde. Hop. Attends, j'ai gagné combien? 21$! Je vais te dire, ah bah lui il m'a rien, ah si, 15$. 15$, ah ouais, c'est... On va tester si on tue quelqu'un d'autre, est-ce qu'en fonction des gens... tiens, elle là-bas. Elle croit qu'elle va s'échapper comme ça. Viens ici, je t'aurai, toi je vais t'attraper. T'es à moi. Toi t'es à moi. Je te le dis, tu t'échappes. Voilà. Ok, c'est bon. C'est toi qui as la police? Je sais pas, mais... Ah, elle m'a rien lâché. Ah bah ok. je crois que j'ai rien eu la salle. Hein. Elle m'a rien donné elle. D'accord. On va tester quelqu'un d'autre alors, attends. Ah, mais y'a plus personne là, on a vidé la rue. On a littéralement... Eh hey, attends, est-ce que les ambulanciers ont plus d'argent? Ou ils ont de l'argent sur eux? Attends voir, je teste. Ah, il a lâché de l'argent. 15$. Comme le PNJ. Ouais bah moi j'ai eu 21 sur lui. Ok, en fait ça dépend des PNJ pour avoir bon, moi je pense que ça montera pas plus de 50$ malheureusement. En tout cas voilà, ça c'était le premier. Du coup voilà, la première chose qu'on a fait. Mais deuxième chose qu'on fait la salle, c'est quoi à ton avis? Qu'est-ce qu'on fait en deuxième? Moi quand j'ai commencé GTA, j'ai volé une voiture. Et bah voilà, hop tu sais quoi, on va lui voler, on va même la tuer, tiens. Ouais, allez, non, tu sais quoi, je vais la laisser en vie, vas-y. Vas-y la salle, monte avec moi là. Histoire qu'on... Si on enlevait la police au passage. Donc là pour l'instant on a fait quoi? On a tué des PNJ, on a eu pas beaucoup de dollars, on a eu 20... Enfin j'ai eu 21. De toute façon je vous afficherai en haut les sous que je me suis fait pendant cette vidéo. Donc je me suis fait 21$ et 15$. Donc c'est un peu le même principe que la série jeux GTA 5 quand t'as 0$. Sauf que là en fait c'est vraiment un tuto, on va dire. Un tuto entre guillemets. C'est vraiment là je vous montre. C'est plus, plus sérieux quoi, moins, enfin c'est les deux, enfin je sais pas comment vous dire. Comment tu fais des guillemets? Vu que t'es en facecam là. Ouais. Comment tu fais des guillemets? Entre guillemets. Ouais mais tu fais comment? Quel geste? Bah genre les guillemets, je prends mes doigts quoi. Ouais, mais il faut le faire. Bah je l'ai fait. Oui mais au début tu l'avais pas fait. Ah ouais, donc tu veux que je le refasse pour ton plaisir la salle? Ouais vas-y. Entre guillemets, voilà. Voilà. Alors attends, parce que la salle il veut pas que je les serre, donc je vais devoir l'appeler. Hop, c'est bon. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Alors est-ce qu'on peut vendre ce véhicule? Tu vois, c'est un véhicule. Ouais. Oui, tu peux le vendre. Ok. Donc pour l'instant on a 15$ plus 21$, ok. Et là attention. On est à dollar. Alors vendre le véhicule, attention. Dollar. Bah c'est vrai. Dollar. 6000$, ouh, attention. Ouh, madame met des strings avec sa petite chaîne en or. Alors là, du coup, on s'est fait 6000$ en vendant un véhicule. Ah, il y a la salle, voilà, c'est un petit appel de Momo, bon, la fripouille, comme on l'appelle. Donc du coup, je t'ai dit la salle, on est actuellement à 6000 à peu près, 21 plus 15, ça fait combien, 36, ouais, 6036$. Quand t'as commencé GTA, on est d'accord, les premiers trucs qu'on faisait c'était voler, machin. Mais il y a un truc qu'on faisait aussi là, ça l'oublie pas. Qu'est-ce qu'on faisait?
la même course pendant à peu près 100 fois d'affilée. La personne l'avait déjà présenté dans les épisodes précédents. Mais il y a un truc qu'on faisait déjà, c'est hop, toi tu me passes ton véhicule. Parce qu'on pouvait pas se déplacer. Donc forcément, pour se déplacer, qu'est-ce qu'on faisait? On volait les véhicules, mais on volait pas que ces véhicules, on volait les plus beaux véhicules. Même si on pouvait pas les revendre, bah des fois si on avait envie de se déplacer avec un véhicule sportif, bah on prenait un véhicule sportif et puis on se déplaçait avec. Là il y avait la Hader. Voilà, ici il y avait la Hader. Alors je sais plus c'était où exactement qu'elle se garait, c'était dans cette rue là. Voilà, c'était ici, voilà. Ici on avait la Hader qui était garée là. Voilà. Non, elle était juste après. Voilà, là. Elle était là. Voilà, bah là on a un beau véhicule aussi. Tu sais quoi, viens, on le prend. On prend celui-là. Il est pas mal. Voilà, donc là on a deux trucs du coup, deux trucs que vous pouvez faire quand vous jouez à GTA 5, comment vous faire des thunes. Maintenant on va passer à la troisième chose, c'est forcément, bah quand tu joues à GTA 5 et quand t'as pas de thunes, qu'est-ce que tu fais? On l'a tous fait, dans les commentaires, voilà, c'est obligé. D'ailleurs au passage, si il y a des trucs que vous avez fait dans les commentaires, dis moi aussi je l'ai déjà fait, ça moi aussi je l'ai déjà fait. Donc troisième astuce, qu'est-ce qu'on fait la salle? Est-ce que je peux mettre un point sur un amulation, enfin un amulation, une supérette? Bah il y en a une juste là-bas, Elle est juste devant nous, juste à droite. Bah forcément, le braquage. Et elle est là. La salle. Et d'ailleurs, tu sais quoi, tu sais c'est quoi qui m'a fait faire cette vidéo? C'est quand j'ai regardé ta série hier, je suis tombé dessus. Tu vois, j'étais en train de regarder la télé et je suis tombé sur la série. T'as un vrai joueur de GTA 5. Et dans cette série, à un moment donné, tu rentres avec Trevor dans une supérette. Je sais pas si tu te souviens. En cassant la vitre. Voilà. Et bah ça m'a fait penser à faire cette vidéo. Alors pour faire des achats, déjà on va lui faire un petit achat. Non, tu sais quoi, même pas. On va même pas lui faire d'achat. Regarde comment il nous regarde. T'as acheté un truc? Ah ouais, t'as acheté un truc. Ouais. On lui fait du mal ou pas? Non, t'as juste à le braquer. Ouais, c'est vrai. Allez, sors ton gun, tout! Sors les sous, dépêche-toi! Dépêche-toi, allez, passe. Dépêche, je vais m'énerver. La maille, là. Attends, qui vit la caisse, la salle. Voilà, fais du peur, ça. Et hop, ouais, on passe à jouer des gomme-tons. C'est quoi ces magazines là? Voilà, tu peux ramasser. Combien je me suis fait? 1990$. Tue-le. Et maintenant tu peux refaire la caisse. Une deuxième fois. Ok. Donc 1090. Je peux le refaire là, tu penses? Ah non. Pète-la, si, tu la casses. Avec ton arme. Attends. Fusil à pompe ou. Ah ouais? Attends. Ça marche pas la salle. Attends, c'est quoi? Ah. Je vais mettre une bombe collante. Je vais pas me prendre la tête. Voilà. J'ai mis une bombe collante. Vas-y, la salle, défends-moi. Ta bombe collante. Elle fait mal. 77$ la salle. Voilà. On peut la braquer deux fois. Voilà. Pour ceux qui savaient pas. Bon, par contre, ma vie elle est en train de descendre. Bah je suis là si tu veux. Bah voilà, je suis là. Ok. Viens ici, voilà, c'est tout. Ok, toi t'as à moi. Je suis devant, hein. T'as juste à monter. Merde, la salle. Oh là là. Catastrophique. Non, j'ai voulu détruire le... Non mais je m'amuse. Ok, je vais sortir. Baisse la tête. Ok, là ça tu me vois? Ouais, monte. Je vais péter. Wouah, c'est qui ça? Fallait monter avec moi. Vas-y, trace, on se reviendra avec elle après. Ah ouais, d'accord, ils sont chauds eux. Ok, j'ai la police et tout, c'est chaud. Vous me laissez tranquille. Waouh, à mon avis de vous je vais mourir dans pas longtemps et c'est fini. Ok, du coup on va se retrouver pour la quatrième astuce, à tout de suite. Alors du coup, astuce encore une fois, donc on a la quatrième astuce. Le truc qu'on faisait c'était Martin qui nous appelait, alors ça on l'a tous fait, c'est impossible, vous l'avez pas fait. Martin qui nous appelle, qui nous donne une mission et nous dit, allez bah tu sais quoi, va récupérer une voiture là-bas et ensuite je te paye. Donc ça on l'a tous fait, donc c'est tout simplement l'émission ici, vous pouvez les retrouver, vous allez dans Start, vous allez dans En Ligne. Créé par Rockstar, vous allez dans Mission et vous pouvez refaire ces missions si vous avez envie de les refaire. Et vous avez toutes ces missions, donc vous avez Metallo, non pas celle-là, voilà, c'est la reprise de justice avec Martin tout simplement. Vous avez
Oh, en fait, il y en a qu'on a déjà fait, en fait. Y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est toutes les missions, en fait. Vous voyez, ici, il y a écrit dispo à partir du rang 5. Voilà, celle-ci. Rockford Roll, voilà. Un Richman. Donc, tout ça, c'est des véhicules qu'on doit voler et qu'on doit tout simplement déposer à tel endroit et on vous donne des sous. Donc, voilà, ça, c'est une mission qu'on peut faire. Mais on va pas faire ces missions parce qu'on a déjà volé une voiture avant. C'est à peu près la même chose. On va faire les missions. Donc, les missions, attention. Donc, du coup, voilà. Là, donc la quatrième astuce, c'était un peu du coup le vol de véhicule avec Martin, même si ça rejoint en fait la deuxième astuce. Mais du coup, cinquième astuce, c'est les missions. Donc, c'est les missions qu'on a à partir du level 5. Voilà, level 6, hein, plus ou moins. Mais bon, on monte assez vite level 6. Et vous faites ces missions. Donc là, ça, je t'invite dans la mission qui s'appelle Cru Mortel à Los Santos. Donc, attention, parce que là, ça va être un peu tendu. Là, il y a du meurtre à Los Santos. Allez. Ça tombe bien, les Lost et les Levagos doivent se rencontrer sur le fleuve. Ça m'arrangerait pas mal qu'ils ne reviennent jamais. Dégomme-les tous, rapporte-moi tout ce qu'ils comptaient s'échanger. Je te payerai content. Et tu sais quoi, on va mettre en difficile. Ce qui est bien maintenant, c'est que vous pouvez. Avant, je crois qu'il n'y avait pas avant ça à la salle. De quoi ? S'il y avait le fait de mettre difficile et tout ça, rapporter des sous en plus. Si, ouais, quand même, je crois. Je me rappelle plus exactement. Écoute, je t'ai invité. Donc du coup ces missions là c'était avec Gérald. Donc Gérald qui est pareil, hein, c'est à peu près comme Martin et tout. Il vous appelle et il vous donne des missions. Donc Gérald c'était le poteau lui aussi, hein. Gérald, Martin, c'est vraiment eux qui nous ont mis bien à la salle au début. Ouais, ils nous ont aidés financièrement, ouais. Financièrement et tout, etc, quoi, j'ai envie de dire mathématiquement. Pas mal. Alors on a la T20, mais non. Bah non, là, ça, on va pas prendre la T20, forcément. On n'a pas d'argent. Donc, pour qu'on on prend ça, là. Voilà, ça, ça m'a l'air. Petite décapotable. C'est celle de tout à l'heure, en fait. Viens, on prend celle de derrière. Tu te rappelles celle de derrière? Bah ouais, mais pourquoi? Bah, tu sais quoi, prends la tienne, je prends la mienne, au pire. Ok. Alors, voilà, la mettre, ça met pas le point, par contre. C'est vrai que. Ouais, ça le met pas. Je vais mettre le point tout seul, hein. Du coup, toi, la salle, la première chose que t'as fait, est-ce que tu te souviens de la première chose que t'as fait quand t'as lancé GTA 5 Online? Ouais, je t'ai dit, j'ai volé une voiture. Volé une voiture, t'as fait, toi? Ouais. Et bah, tu sais que moi, c'était pas volé la voiture, moi, c'était, je cherchais la merde avec la police, on va dire. Mais pour me faire des sous, le premier truc que j'ai fait, c'était la mission de Martin. C'était les missions de Martin où fallait voler des voitures, enfin, pas voler dans le sens voler à des PNJ, mais voler en tant que mission. Ah ouais, t'as pas le temps, toi. Okay. Bah, le choix du véhicule, hein. Waouh. Ah bah, salut. D'accord, bonsoir. Alors, voilà. Ça m'affiche un peu un trajet bizarre à toi aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut... Ah. C'est très bizarre comme trajet. Ah, mais c'est en bas, bah oui. Je quitte ce trajet, hein, pour ma part. Bah oui, mais attends, prends la tête. On va pas en bas. Après, il y a d'autres missions. Hein. Plus vous montez, plus vous avez des missions qui sont un peu plus stylées. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, c'est là. Attends, c'est où? En bas. Ok, attends. Je crois que c'est là. Est-ce que je les anéantis ou pas, la salle? Non, bah faut pas exploser la mètre. Hein. Ah merde. Ah bah oui, toi t'exploses la mètre, quoi. Ah merde. Eh oui. Comme tu dis, merde. C'est la mer noire, là. Miércoles pour la tarde. Ok, bah on va relancer. Ok. Ils sont là-bas. Ouais, ils sont là-bas. Bah y'a pas de T20, hein, donc y'a pas de T20. Y'a pas de T20. Du coup. Attends, si je tue quelqu'un en sniper d'ici. Tu peux même tous te les faire, hein, au snipe. Vas-y, viens, prends le snipe. On rigole un petit peu. Allez. Vas-y. Je te suis avec le téléphone. Ils sont perdus. Oh, il y en a qui est caché, là. Sors ta petite tête. Oh, je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai eu. J'avance à la salle.
Attends, je prends juste mon arme, voilà. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, dites, madame, ça va aller, quoi. On a mis en mode difficile et honnêtement, on va se faire des sous en plus, ça va être pas mal. Et ils ont faim. Hein. Tu viens ici, c'est moi qui décide, voilà. Voilà, c'est moi qui décide. Et elle où la mettre? C'est bon. Tu me suis la salle? Ouais. Ah, elle est juste à côté. Oh, je me rappelle de ces motos là, ça. Tu te souviens de ces motos ou pas? Bah oui, elles sont magnifiques. Elles sont incroyables. Je me rappelle à chaque fois qu'on faisait les missions là, on volait tous les motos là. Moi perso, je le faisais. Bon, je sais pas encore où dans les commentaires. Hein. Moi je le faisais en tout cas. On va aller chez Gérald. Putain, je me rappelle de Gérald aussi. Oh là là, c'était beau comme. C'est des beaux souvenirs la salle. C'est vrai que Gérald, à chaque fois, il était content que tu lui ramènes son truc. Sa drogue. Ouh, je me fais cavaler. Gérald, c'est un peu le Big Smoke de GTA V, quoi. C'est vrai en plus. Moi, je fais le tour, j'aurais pu passer par là, mais. Mais ça aurait été stylé qu'ils nous mettent Big Smoke. Ouah, ça aurait été stylé, c'est vrai. Ah là, rien à voir. Hein. Le charisme, rien à voir. Bonsoir. Voilà, voilà. Bah écoute, la salle. Hey! What's up, man? Qu'est-ce que t'as pour moi? Tu gars! Je vais récupérer la bête. Cool. De rien, mec. Tu gars! Est-ce que t'aurais kiffé voir l'appartement de Gérald Lassalle? Ouais. Et 5050$ pour l'instant. Ce qui nous a rapporté le plus, Lassalle, c'est. C'est l'émission, hein, j'ai envie de dire. Bah, la voiture, que t'as volée. Tout à l'heure, pardon. Ouais, 6000. Ok, du coup, on se retrouve tout de suite pour la dernière astuce de cette vidéo. A tout de suite. Dernière astuce de cette vidéo, du coup, la salle, c'est course judiciaire. La course qu'on a tous fait, je pense. Hein. Bon, ça, c'était les premières vidéos YouTube qu'on faisait. C'était les tutos. On disait tous, on disait aux gens tout simplement de faire cette course et de mettre plusieurs tours. Alors, il me semble qu'on mettait 99 tours, la salle, et on tournait en rond. On allait dans des chat parties ou on allait sur Skype ou quoi. Et on parlait un peu de tout et de rien. Et on tournait autour de cette prison, la salle. Mmh. En se faisant des thunes. C'était pas mal. Mais j'ai l'impression que j'ai quand même fait la course plus que toi, regarde. Hein, je t'ai déjà rattrapé. Ouais, mais je suis en Krieger, moi. T'es en quoi, toi? Oui, bah je suis en Krieger. Ah ouais. Parce qu'en fait, la différence, c'est que moi, je l'ai vraiment saigné la course, ça se voit. Je ralentis pas. Toi, tu freines pas, toi. Bah non, puisque normalement quand tu saignes cette course, t'es censé savoir que tu peux tourner sans freiner. Oui, non, mais moi je freine pour le plaisir, après tu vois c'est... Ah, c'est ton plaisir personnel. Ah là, on a mis deux tours, mais bon, imaginez-vous que nous on tournait comme ça, vraiment à l'infini et l'au-delà, la salle, j'ai envie de dire. Et au-delà 1170$ pour deux tours, ouais, c'est pas mal. Et c'était rapide, on a mis je sais pas combien de secondes, la salle, c'était court, non? 50, non? Ouais, à peu près. Même pas. Je sais pas exactement. Attendez, on va voir le nombre de secondes qu'on a mis. Même pas. Je crois 23 secondes, voilà. Ah non, 50 secondes. 50 secondes. Donc 50 secondes pour 11$, c'est pas mal. Franchement, pour 1000$, c'est pas mal. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà toutes les astuces que je vous ai données. Si vous avez des astuces dans les commentaires, je ferai un épisode 2 pour tout simplement vous donner les astuces que vous avez à vous. Dans les commentaires, tout simplement. Même si, bon, là, j'ai plus ou moins donné les astuces un peu. Bon, après, il y a les braquages, etc., etc. Mais bon, ça c'est un peu arrivé un peu. On va dire un peu tard par rapport à. Par rapport à là. Alors que là, maintenant, on a pas mal de choses sur GTA. On a les PDG, etc., etc. Mais bon, peut-être que je ferai un épisode 2, je vous montrerai du coup les nouveautés maintenant. Parce que ça, c'était avant, quand on avait rien. Quand on avait commencé GTA en 2016. Alors que maintenant, ça a changé. En tout cas, voilà la table. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu à la salle, à activer la cloche encore une fois, me suivre sur mon Instagram, et puis la salle, est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin? Oui. Dis-moi. C'était mon mot.